Sur ces images amateurs, des véhicules, des maisons en feu et des pompiers désemparés qui tentent d'éteindre les incendies en cours. La scène s'est produite dans le village de Gite, en Cisjordanie. L'homme qui filme cette séquence décrit la scène. Les colons nous ont attaqués et ont mis le feu aux voitures et aux maisons. Jeudi, des dizaines de colons juifs ont attaqué ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Une attaque qui a suscité la réprobation générale, y compris celle des dirigeants israéliens. Le président Isaac Herzog a même qualifié ces violences de pogrom, un terme utilisé pour qualifier les massacres perpétrés contre les juifs, notamment sous le régime tsariste en Russie. Je condamne fermement le pogrom en Samarie. Il s'agit d'une minorité extrême qui porte atteinte à la population de colons respectueux des lois et à la colonie dans son ensemble, ainsi qu'à la position d'Israël dans le monde à un moment particulièrement sensible et difficile. Les États-Unis, soutien d'Israël dans la guerre contre le Hamas, ont également condamné l'attaque. Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie. Selon les autorités palestiniennes, plus de 600 Palestiniens y auraient été tués par l'armée israélienne ou des colons.